Bonjour, François Damiens, acteur, réalisateur, scénariste, producteur. Bienvenue dans mon interview galère. Je dirais pas que c'est un moment, mais j'avais fait une tournée avec Benoît Mariage et Benoît Poulvoorde il y a une quinzaine d'années. Quand vous faites de la promo avec Benoît, quand vous êtes sur un plateau, c'est très difficile d'en passer une. Et je me rappelle notamment d'une émission où je me suis rendu compte qu'au bout de 40 minutes d'émission, je n'avais pas ouvert la bouche. Et juste Benoît m'a regardé à la fin, il m'a fait pas de problème. J'ai juste fait un jour un essai ici à Paris. J'avais pris le train pour venir faire l'essai. J'avais étudié mon texte et puis je me suis retrouvé devant la réalisatrice. Et elle ne savait pas que j'avais déjà reçu le texte, elle me l'a donné. Et elle m'a proposé de l'étudier et puis de revenir quelques jours après. Et en fait, j'ai jamais osé lui dire que je connaissais déjà le texte et je suis plus jamais revenu non plus. Moi, je dirais que c'est une caméra cachée qu'on avait fait en Corse où j'étais avec tous des petits scouts et on allait chez les gens pour demander de la nourriture. Et au bout d'une heure, on a arrêté parce qu'ils sortaient tous armés et je me suis dit que c'était pas une bonne idée de continuer. Parce qu'on n'a pas toujours le temps de parler avant de se prendre une balle dans le bide, quoi. Oh, moi, c'est surtout avec les transports que j'ai du mal, quoi. Avec tout ce qui est fait pour tout le monde, en fait, ça fonctionne jamais avec moi, quoi. Donc, quand je dois prendre le train, je me trompe de site, je me trompe de... Voilà, les avions, c'est la même chose, je me trompe dans les dates. Il m'est déjà arrivé de rater 3-4 trains d'affilée, quoi. Et je suis gauche, en fait. Je vais chaque fois dans le sens opposé où je dois aller, quoi, sans m'en rendre compte. Dans ce tournage de Fourmis, c'était tout sauf une galère parce que avec Julien Rapneau, le réalisateur, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. C'est quelqu'un d'adorable, très gentil, très humain, très, très, très généreux. Donc, dans ce tournage, non, il y a vraiment eu. Parce qu'il s'est très 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 chaud, mais c'est tout. Ça, c'est très intéressant. Oh non, mais ça me gêne pas. En fait, mais il revient en courant l'accent quand j'improvise, en fait. Parce que donc, par définition, je me laisse aller, et là, je ne contrôle plus du tout. Et là, ça peut poser certains soucis. Ou quand je connais pas bien mon texte aussi, alors là, je me concentre tellement sur mon texte pour essayer de le sortir, que l'accent, j'arrive, quoi. Alors ça fait beaucoup de choses à faire sortir, quoi.